Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lego Worlds. Et donc on était arrivé sur cette nouvelle planète avec donc de nouvelles missions qui nous attendent et un astéroïde qui s'était écrasé. Donc on va aller de suite voir où est-ce qu'il s'est écrasé puisque l'orateur nous indique qu'il serait judicieux d'aller Vous voir devriez aller où. à l'endroit où Voilà. elle s'est écrasée. Il Je dois avoir insiste quelque chose lourdement d'important sur d'ailleurs. place. Alors on a l'air d'être arrivé sur une île un peu, je dirais, volcanique. Alors attention de pas se brûler cette fois-ci, parce que là apparemment du coup le milieu a l'air d'être plutôt hostile, voilà, notre bonhomme il a l'air de se chauffer les pieds un petit peu, et donc là on arrive sur l'endroit où la météorite est tombée, et on obtient un outil de paysagisme. Alors à quoi il va servir Outil de paysagisme. l'outil de L'outil paysagiste? de En fait, c'est paysagisme un outil qui va permet nous de permettre de refaçonner. terraformer le sol, en fait, hein, de faire monter les blocs, de faire descendre les blocs pour pouvoir faire des plateformes ou atteindre des objets, faire des escaliers, etc. En tout cas, c'est vraiment un outil de terraforming. Alors on a une première mission ici qui nous attend. Notamment, on a cette femme préhistorique qui nous demande, lui coincé, moi donner ça, Il doit y accepter. avoir un moyen de contourner cette lave. Bah Vous en fait. devriez utiliser l'outil de paysagisme pour placer des briques. Déverrouiller. Ajouter et supprimer. Alors. Là, ça permet de zoomer. Ah ouais, là, on peut la faire descendre. Ah bah voilà, c'est bon. Donc on a fait une plateforme là. Pas évident avec le point de vue d'arriver à bien voir où est-ce qu'on met les blocs, mais à mon avis c'est un coup à prendre. Et après ça ira mieux. Donc on a fait une petite plateforme, vous voyez, hein, avec Vous devriez construire une île en des pleine blocs. mer ou un escalier menant aux nuages. La décision vous appartient. Ok. Bon alors attention, la lave c'est chaud. Hein, notre cosmonaute commence à avoir un petit peu chaud au pied. Elle coincée, toi sauver, moi donner ça. Les Ok. hommes des cavernes, ils ont le chic pour se mettre dans le pétrin. Je pense qu'un outil permettant de supprimer du terrain pourrait être utile. Et voilà, donc là on apprend toujours hein, l'utilisation des outils. Et donc, deuxième mission accomplie. On va aller voir la suivante. Merci de façonner le paysage de manière responsable. Attention de ne pas se casser la gueule quand même. Et on va aller vers notre objectif suivant. Wow. Et je me suis mis dans un trou. Et je pense que c'était pas ça l'histoire. Alors. C'est pas grave.
Merde, ça passe pas. C'est pas grave. Ça va passer maintenant. Non, ça coince toujours. Ah putain. Oh le glitch de merde. En plus lui veut se... s'accrocher de partout. Voilà, du coup, c'est bon, ça a marché. Et du coup, la mission, elle doit être... Bah, elle est où là? Il y a bien quelqu'un à un moment qui me donne une mission là. Du coin, c'est ici. Paysagisme offre de nombreuses possibilités. Oui, bah ça y est. À vous de décider comment secourir ce pauvre bougre. Déverrouiller. Niveler. Bah vas-y, saute. Putain, mais qu'il est con. Il est parti où l'autre là? Oh putain, il s'est mis dans un trou. Quel imbécile. Voilà. Merci pour le bloc. Bon, ça a un peu bugué, mais c'est vrai que par contre les angles de vue sont un peu chiants pour arriver à poser des blocs. Faut dire ce qui est, je galère un peu. Allez, on passe au suivant. Lorsqu'une zone a été nivelée, elle peut être construite. Mais pas de précipitation, car l'outil de paysagisme peut niveler des bâtiments entiers si vous ne faites pas attention. Le pauvre, il a chaud au pied. Elle coincée, toi sauvez-moi, donnez ça. Ok, vous pouvez d'accord. Choisir de surélever ou d'abaisser du terrain. Votre décision dépendra toujours de la Donc là, on apprend situation. vraiment à utiliser le Lever et baisser. l'outil de paysagiste. Donc on va se mettre en mode supprimer. Voilà. Et un bloc de plus. Alors, suivante. J'aime pas trop cette île volcanique, hein. Je suis pas très fan là pour le coup. Autant le premier biome était sympa, hein. Mais autant là. Ce volcan a l'air dangereux. Ce volcan a l'air dangereux. Cette occasion pour vous échapper d'ici. Quoi, du volcan? Mais j'ai pas assez de. J'ai pas fait toutes les missions.
Ça me paraît étonnant. Oula. Le feu, ça brûle. Ben, j'ai l'impression que j'ai fini les missions ici, hein. On va essayer de se barrer. Bravo, vous avez trouvé toutes les briques dorées de ce monde. C'est D'accord. le moment de partir ailleurs. Et ben soit. Il y en a 3 par monde à peu près. En 4. Allez, en route. En voiture, Simone. Et on est parti pour un nouveau biome. Allez, on arrive à destination. Oh, un monde bonbon, comme c'est mignon. Regardez ça. Des arbres sucettes. Des glaces, des cakes. Gambade, construction et bonbons. Sympathique. Ce Donc ça sera monde le a l'air terme. particulièrement appétissant. Des Cool. glaces, des gâteaux et des maisons en pain d'épices. Ouais, c'est J'adore. sympa. Bon, bah écoutez, ça sera ce thème-là sur lequel nous aborderons le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur les Word. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.